Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RP Média pour l'invité politique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'ancien Premier ministre du Mali, Modibo Sidibé, qui nous fait l'honneur de venir sur notre plateau pour parler de son parti politique, le FAR, de ses militants et aussi du Mali, de la paix, de la quête de paix et de la gouvernance. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se voit. La première fois, il y avait 3 ans, c'était lors de la campagne pour la présidentielle malienne. Tout à fait. Voilà. Et là, vous êtes devant moi encore aujourd'hui, comme quoi, quand vous venez, vous faites le détour, et ça, nous le respectons. Au nom de tous nos spectateurs, je tiens à vous remercier de faire le détour chez nous. Merci. Comment va le FAR après 3 ans de participation au sein de l'opposition parlementaire, opposition que vous ne connaissiez pas avant, donc que vous découvrez? Et donc là, ça fait 3 ans que vous êtes estampillé opposant. Comment se passe la vie d'opposant? Et ça se passe très bien. Vous savez que lorsque j'ai présenté ma déclaration de politique générale, à l'époque, un certain nombre de partis politiques avaient décidé d'être dans l'opposition. Je me rappelle que je saluais fortement ce choix, qui est un choix démocratique que nous saluons. En même temps, je leur formulais le vœu que nous espérons, avec la qualité des gens qui animent cette opposition, c'est-à-dire le parrainant, le PM et le SADI, que nous allons pouvoir, sur des questions majeures de la nation, avoir des majorités de progrès pour notre pays, pour notre peuple. Et pendant tout le temps, j'ai pu recevoir à 2 ou 3 reprises l'opposition comme la majorité pour discuter des questions majeures, avoir leur avis. Peut-être pas qu'ils sortent avec le mien, mais quand même qu'ils sachent aussi quelles sont les contraintes que le gouvernement rencontre dans la gestion de certaines questions. Et nous aussi que nous entendions des choses qu'on n'entend pas toujours dans notre cabinet. Donc, c'est vous dire que pour moi, c'est un jeu naturel. Et les phares avaient, durant la pré-campagne, indiqué que la démocratie et l'opposition étant les deux mamelles absolument indispensables, que quelle que soit la situation après, nous allons choisir d'être dans l'opposition constructive. Et c'est l'engagement que nous avons pris si les Maliens, par la grâce de Dieu, ne nous apportaient pas leur voix pour le mandat qui est présentement en cours. Donc c'est une position que nous vivons. Si c'est le cas, je n'étais pas non plus dans la scène politique comme président de parti. Ça se passe très bien. Nous avons notre manière d'être dans l'opposition. Nous avons notre culture de la politique et de l'opposition. Ça se passe bien. Justement, si vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, c'est bien parce que les Maliens ne vous ont pas accordé le suffrage suffisant pour être président. Sinon, vous serez plutôt du côté de la présidence et peut-être du côté de la mouvance présidentielle. À votre avis, vous avez dû analyser avec tout votre staff qui vous entoure, à quoi vous imputez le fait que vous n'ayez pas été choisi par les Maliens pour diriger la destinée du Mali pendant les 5 ans à compter de 2013? Nous avons bien entendu, chaque parti politique fait le point de la situation quand on affronte des élections majeures. Il est certain que pour nous, ça n'a pas été facile. Notre parti avait juste un an, même moins d'un an, quand l'élection présidentielle se jouait. Nous avons été handicapés aussi par le fait que moi-même, j'avais dû, pendant 10 mois, 11 mois, être en situation de clandestinité, entre guillemets, pour préserver ma sécurité, pas en dehors du Mali, mais au Mali. Donc tout ceci a été des handicaps, avec toute la campagne, tout le truc, concernant tout ce que vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était un handicap. Mais nous nous sommes battus et deuxièmement, nous nous sommes dit, pas d'argent. Pas d'argent, pas de fraude. Nous voulons que le vote des Maliens soit transparent. Nous voulons que le vote des Maliens soit respecté. Donc nous avons tiré un certain nombre d'éléments d'analyse qui font que l'élection présidentielle s'est passée. Vous et moi savons très bien qu'il y a énormément de choses qui n'auraient pas dû être. L'armée dans la politique, l'administration partisane, la religion ou certains courants religieux impliqués. Et je ne passe pas, je passe sur les autres éléments de fraude, etc., les problèmes sur le NINA et tout. Mais on s'était dit tous que mieux vaut une légitimité, quelle qu'elle soit. Pourvu que ce soit une légitimité venant de notre peuple plutôt que la situation que nous vivons. Et donner ainsi une chance à notre pays de pouvoir résoudre rapidement le problème de sécurité, le problème du Nord, et de s'affronter donc le développement économique, le politique économique.
Donc nous avons tiré les conclusions, les éléments, et nous nous sommes dit que nous avons eu raison de considérer que la politique sans éthique, sans morale, sans valeur, n'est peut-être que caricature. Et nous ne serons pas caricature, au phare. Ça peut être dur, ça peut être difficile. D'aucuns pensent que nous sommes des idéalistes, très bien. Mais nous savons aussi, vous et moi, que la République et la démocratie, le socle, c'est le citoyen. Le nouveau citoyen, le renouveau de la démocratie, il faut que nous nous battons pour ça. Et ça passe par le respect du vote des Maliens. Nous allons construire une alternative politique crédible, c'est le rôle d'une opposition. Mais nous voulons être une force politique qui ne convainc pas par la force de l'argent, mais par la force de ses arguments. Nous voulons être une force politique qui tient ses engagements. Et jeune force politique, nous avons montré que nous savons tenir nos engagements. Ce qui s'est passé entre les deux tours, et même ce qui s'est passé après, parce que nous avions 6 députés. Mais on en a perdu 5. Et nous avons préféré pourquoi ça. Pourquoi justement vous avez perdu 5? Nous avons perdu 5 parce que le parti a été confronté à des difficultés. Nous tenions à ce que rejoindre la majorité ou pas, c'est d'abord c'est une question de programme. Pendant toutes les discussions qu'on a eues avant, on a dit nous ne discutons gouvernement, ni poste ministériel, ni poste d'ambassade avec qui que ce soit. Nous discutons programme, nous discutons projet pour le Mali. C'est tout. Si Dieu fasse que les Maliens aient confiance en notre projet, en ce moment nous pourrons discuter de la meilleure manière de traduire ce projet-là en réalité et en programme, mais pas avant. Et ce n'est pas une question de sinécure. C'est une question de compétences et de capacités à un moment donné, dans un comportement donné et dans pour un objectif donné du programme à conduire. Voilà ce dans quoi nous étions. D'autres ne l'entendaient pas de cette oreille, qui veulent la réelle politique, la bien réelle politique à la malienne telle que nous avons connue, qui a amené toute cette désaffection de la classe, des citoyens vis-à-vis de la classe politique. Et donc voilà les désaccords sur lesquels, la base desquels. Est-ce que vous les regrettez ? Je ne les regrette pas. Et s'ils demandaient à revenir ? Ça, c'est autre chose. Ce n'était pas moi à décider. Oui, mais si on vous consultait, M. Modibo Sidibé, fondateur du FAR, est-ce que vous êtes partant pour que ceux qui ont fait à un moment donné une saillie au sein du parti reviennent dans la maison mère? Est-ce que vous ça êtes... dépend dans quelles conditions ils veulent revenir dans la maison mère. Vous savez, au niveau de notre congrès, nous avons laissé la porte ouverte. Hein. On a même laissé, on n'a pas enlevé tous ceux qui n'avaient pas dit ouvertement « je m'en vais ». On a laissé les postes. Le Congrès a décidé de laisser les postes pour leur donner une chance. On leur a lancé un appel. S'ils veulent revenir, parce que vous savez, pour être parti de seconde génération, le FAR a fait un manifeste. Nous sommes en train même d'expérimenter aujourd'hui des lettres d'engagement personnel où les militants disent « J'ai lu le manifeste des FAR, j'ai lu les statuts, j'ai lu les règlements intérieurs, donc j'adhère et je m'engage à les traduire et à les respecter. » Ça nous semble plus fort que les simples cartes de membres qu'on distribue. Ça, c'est très important à nos yeux. Donc voilà le travail qu'on est en train de faire. S'ils sont d'accord pour revenir dans le cadre du manifeste des fers, des phares, de s'engager dans cette direction-là, les militants phares apprécieront. Je ne pense pas qu'ils soient contre, nous sommes un parti d'ouverture. Mais sur la base de principe. Vous êtes l'une des personnalités politiques qui connaissent mieux le président Ibrahim Boubacar Keïta, ayant été ministre ensemble dans l'un des gouvernements du président Alpha Omar Konaré, ayant été son ministre, ayant vous-même été premier ministre, sous Alpha Omar Konaré, qu'est-ce qui vous différencie au-delà même de la volonté d'être président de la République en tant que Malien, en tant que personne portant un projet politique, en tant que responsable, qu'est-ce qui vous différencie? D'abord pour commencer, je n'ai pas été premier ministre sous le président Konaré. Non, pas sous le président Konaré, est-ce que je parle de votre cheminement? Non, vous l'avez dit, il vaut mieux qu'on soit clair. Je l'ai été sous le président Amadou Toumani Touré. Oui, j'ai été membre du gouvernement avec mon grand frère aîné, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. J'étais ministre des Affaires étrangères. Et puis bon, j'ai été ministre de la Santé, de la Solidarité des personnes âgées, dans un gouvernement qu'il a eu à conduire, et aussi ministre des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur. Donc, je préférais m'arrêter là, je n'ai pas d'autres indications à donner. Il avait une mission accomplie, il l'a accomplie, il l'a quitté. Nous avions une mission accomplie plus tard, et je pense que durant ce que nous avons pu faire, nous sommes allés de l'avant. Maintenant, la période qui était passée là, c'est une période que nous partageons, avec ses difficultés, avec ses contraintes, mais aussi avec des progrès, et vraiment des programmes de fond, qui sont les fondamentaux pour notre pays. Ce qui nous permet de parler de gouvernance au Mali, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on est en plein dedans. Quelle est votre analyse des 3 années de gestion
présidentielle du président Ibrahim Boubacar Keïta avec son gouvernement, tous ceux qui l'entourent, la gestion des affaires, etc. Notamment l'expression hautement célèbre de petit monsieur dont vous faites partie. Quelle analyse vous faites aujourd'hui de cette gouvernance Ibeka? Écoutez, nous avions peut-être des différences d'approche d'abord, d'analyse, de diagnostic de ce que notre pays avait connu et vivait. Vous savez, avant même le coup d'État, nous nous avions indiqué qu'un renouveau démocratique était indispensable. Nous avions indiqué que la question intergénérationnelle était une question fondamentale et que ça ne se fait pas dans le conflit, la confrontation. Ça se fait dans un partenariat, dans ces chaînons que la succession des aînés et des cadets permettent de tisser. Et donc d'ouvrir à l'innovation que porte la jeunesse, tout en ayant cette expérience indispensable aussi pour conduire les choses, les ruptures, mais aussi dans la reconnaissance des fondamentaux et des assises. Alors donc dans ce cadre-là, nous avons une différence de vue. Nous pensions que ce que notre pays a subi, c'était une fenêtre d'opportunité pour que les Maliens se réparent, pour que les Maliens se remobilisent pour leur pays, pour leur donner foi au Mali, foi en la République. Et pour ça, il faut qu'ils parlent de refondation. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas une défiance des Maliens vis-à-vis de la démocratie. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, les Maliens ne voudraient pas revenir à un régime antérieur. Ce qui s'est passé, c'est que la démocratie et ses institutions ont apporté certainement des réponses, mais pas toutes les réponses. Et aussi, ont été en butte à un problème de confiance et de crédibilité vis-à-vis des populations. Donc cela a mené et a contribué à ce que nous avons connu. Donc pour nous, il fallait absolument refonder, avoir un temps d'un programme d'urgence pour répondre aux préoccupations majeures qui ne peuvent pas attendre les populations, et même lancer ce qui pourrait être dans la suite de l'accord de Ouaga, les premières négociations telles qu'elles s'étaient entendues dans les 60 jours, mais surtout préparer le grand débat national pour que les Maliens se parlent, partagent les enjeux et les défis et voient comment construire un avenir commun. Parce que comme l'autre l'a dit, un prix Nobel, et il soutient que la démocratie, ce n'est pas seulement le vote, c'est aussi le débat public autour d'un projet commun. Et quel est le projet commun que les Maliens veulent définir? C'est pourquoi nous, on parle tout le temps de dialogue Oui, mais là, on national. parlait en l'occurrence de la gouvernance Ibrahim Boubacar J'arrive, Keïta. j'arrive, de refondation de la nation. Pour apprécier une gouvernance du président actuel, il faut d'abord savoir quelle est la différence. Nous ne sommes pas des critiques historiques et politiciens. Nous avons une différence d'approche, une différence de vue sur la manière d'aborder les questions. C'est cette différence que je suis en train de vous exposer. Deuxièmement, nous pensons que dans ce cas, à l'issue des conclusions majeures de cette discussion entre les Maliens, il fallait engager le pays dans une transition. Une transition, puisque nous étions en condition de pré-transition avant le coup d'État, maintenant atteindre les conditions d'une pré-émergence. Mais vraiment une émergence pour le développement, parce que l'émergence ne se confond pas forcément avec le développement. Donc, dessus de ce débat, transition institutionnelle, transition culturelle, économique, infrastructurelle, et transition socio-économique, éducative vers la création et l'émergence d'un véritable capital humain, transition intergénérationnelle. Donc, nous sommes dans une approche différente. Aujourd'hui, la grande critique à partir de là, c'est que la gouvernance qui ne s'est pas inscrite dans ce cadre-là ne peut pas être une gouvernance efficiente pour nous. Deuxièmement, nous avons toujours dit qu'il y a un déficit de direction du pays. Où veut-on conduire le pays? Quel est le cap donné au pays? Pour qu'on en parle, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le pays a besoin de cap. Ça, c'est très important. C'est notre plus grande critique et observation à la question de gouvernance actuelle. Sans tomber dans les gouvernances, les politiques de questions financières, les questions, d'autres questions. Vous voyez, je prends le cas de l'accord. Pouvez-vous me dire quelle est la direction politique, quel est le projet politique qui habite l'accord? Vous êtes là pour nous dire ça. Ben, on n'en a pas. Donc c'est l'une des critiques majeures en disant qu'il n'y a pas de direction politique. Quand il n'y a pas de direction politique, ben, le pays a l'impression de ne pas être véritablement conduit vers un port donné. Vous savez très bien le fameux adage, celui qui ne sait pas où aller, ben, aucun vent ne le portera là-bas. Et justement, pour parler d'accord, est-ce que vous étiez d'accord avec cet accord-là tel qu'il a été présenté et fêté en 2 temps à Bamako?
Écoutez, notre point de vue sur l'accord a été clair, hein. Il a été tout le temps. Nous avions indiqué justement que parce que ça manquait, on ne peut pas partir du problème du Nord pour reconstruire le Mali, mais on doit partir de la reconstruction du Mali pour absorber le problème du Nord. Nous avions fait une proposition, une note, pour indiquer la position du parti sur ces questions-là. Nous n'avons pas, comme d'autres, hein, forces de la société civile ou d'autres partis politiques ont fait des propositions, y compris, j'ai cru savoir, des partis membres de la majorité. Mais bon, le gouvernement a cru devoir aller là où ils sont arrivés avec l'accord dit d'Alger. Et nous, à l'analyse de cet accord, nous considérons qu'il ne contient pas véritablement une paix, il ne contient pas véritablement une solution durable. Il ne contient pas un avenir pour le Mali entier. En deux, trois mots, pour ceux qui nous suivent, quels sont les bémols de cet accord-là, dit d'Alger? Mais ce n'est pas ce que vous appelez bémol. Nous considérons que la façon... Qu'est-ce qui va à l'encontre de la paix, de la reconstruction du Mali? Ce n'est pas une question d'abord de ce qui va à l'encontre de la paix et de la reconstruction. Il est clair que notre approche fait que nous ne sommes pas d'accord avec l'accord, parce que c'est une autre approche différente. Deuxièmement, nous considérons que la République est l'anse la plus solide, la plus sûre pour résoudre le problème, parce que la République est le ciment des communautés du Nord et des communautés de toutes les communautés du Mali. Et une République fraternelle solidaire qui reconnaît les déficits là où ils existent, qui les répare dans la solidarité républicaine et tout à fait en rapport avec l'ensemble des citoyens maliens, était la meilleure démarche pour nous. Et à l'abri de ce que les Maliens auraient voulu comme construction institutionnelle de leur avenir, on aurait pu trouver une solution avec l'ensemble de nos frères qui avaient des préoccupations en tant que tels. Parce que la question fondamentale de l'État, qui est un peu au cœur de la question du Nord, cette question fondamentale est partagée sur l'ensemble du territoire du Mali, avec plus ou moins d'acuité, avec plus ou moins de relief par l'ensemble de nos communautés à la base. Donc nous considérons comme ça, s'éloigner des règles de la République, s'éloigner de la démocratie ne nous fait pas avancer. Deuxièmement, si on parle projet, on dit une zone de développement du Nord. Et la zone de développement du Nord, qui a les mêmes caractéristiques que tout l'espace, une bonne partie de l'espace de Mopti et une bonne partie du Ségou en allant vers le Sahel oriental, n'est pas prise en compte dans la zone de développement que l'accord porte, entre autres. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vraiment l'avenir ou l'ambition d'un pays, peut-être simplement qu'une partie du pays soit bénéficie de fonds et de stratégies spécifiques de développement pour simplement être au même niveau dans 10 ans, 15 ans ou plus tard, des standards de l'autre partie qui lui-même n'a pas atteint les standards de développement. Je pense que ce n'est pas une grande ambition et ce n'est pas une bonne vision de ce que nous considérons être la construction du Mali. Justement, j'ai une question, enfin des questions d'internautes qui nous suivent, qui savaient que vous serez sur le plateau de l'invité politique. Notamment, l'une des questions, si vous aviez le pouvoir aujourd'hui, comment comptez-vous régler le problème de rébellion du Mali? J'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Ce n'était pas moi de répondre, monsieur. C'est amener l'ensemble des Maliens à dire ce que nous voulons faire de notre pays, qui connaît des difficultés, qui a des zones agroécologiques différentes, qui a un vaste territoire, qui a une histoire, qui a une histoire de peuplement, qui a une histoire également du développement. Il faut qu'on parle ensemble de ce que nous voulons garder, de ce que peut être la modernité pour le Mali, de ce que peut être la gestion de notre territoire, qui est un, qui est varié, dont nous devons maintenant intégrer. On doit avoir une politique globale de notre géographie. Mais c'est un moyen de définir ça. Et c'est avec les Maliens qu'on aurait discuté pour trouver la solution dans la reconstruction du Mali, non d'aller chercher ailleurs, avec une partie du Mali, ce que devrait être le Mali. Ça ne pourrait pas être le Mali. Mais est-ce qu'il ne faut pas refonder beaucoup de choses, notamment dans votre introduction, vous avez dit que vous aviez 6 députés au lendemain des élections législatives. Aujourd'hui, il y a 5 qui sont partis. Donc cette transhumance politique, elle est peut-être... encouragé par l'appât du gain, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, dans d'autres parties, sachant que les gens vont se faire élire comme députés dans une circonscription avec une population donnée. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en relief le fait qu'il y a une trahison aussi bien du parti qu'on quitte et de cette population-là qui vous avez voté avec une étiquette, vous changez d'étiquette sans,
sans consulter cette population-là. En fait, tout ça pour en venir au fait que vous avez parlé de vision pour le Mali, vous avez parlé de cap pour le Mali. Ni dans l'éducation nationale, on continue à enseigner des histoires, enfin, des livres d'histoire qui vont contre ce que l'homme malien est. Je prends l'exemple de l'histoire de Samori Touré. L'histoire qui est enseignée n'est pas l'histoire réelle. Il y a nos griots qui n'ont peut-être pas écrit l'histoire, mais qui donnent une autre version de Samori Touré que celle qui a été écrite par ceux que Samori a combattu. Et donc, tant que vous, les dirigeants, vous ne prendrez pas effet de cause pour cet enseignement-là, modifier l'enseignement malien, donner un cap, comme vous l'avez dit, donner un projet à l'enseignement malien pour que l'enfant malien qui rentre à l'école à l'âge de 6 ans, quand il est diplômé à l'âge de 23 ans, soit modélé de telle sorte-là. Si on ne commence pas par ça, quoi qu'on fasse, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à ce que vous prévoyez. Et justement, qu'est-ce que le phare propose pour refonder l'enseignement national au Mali, pour faire de l'homme malien une matière à pouvoir mettre en place ce cap-là? Je voudrais vous dire d'abord que notre vision en termes de transition, comme on l'a dit, c'est faire en sorte que l'ensemble des enfants du Mali, qui à peine ont 5-6 ans maintenant, qui seront des adultes en 2030, vivent dans un pays qu'on dirait, je dirais, entre guillemets, développé. C'est-à-dire qu'on aurait résolu une grande partie de nos problèmes d'éducation, de santé, et que nous serons parvenus à mettre en place un système d'éducation qui nous permet d'avoir et de consolider une véritable, comment on appelle, capital humain. Parce que c'est ça qu'il s'agit et c'est important pour nous. Toute notre orientation, c'est de reconstruire le système. Évidemment, le système avec ses programmes. Parce que dans notre programme, dans notre vision, la question culturelle est extrêmement importante. Et c'est la question culturelle, justement, qui habite cette problématique de l'identité et tout. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de thèses qui ont été faites par les Africains, des histoires qui ont été écrites par les Africains, qui redressent ce que vous dites et qui sont aujourd'hui enseignées en partie dans nos écoles. Donc, je pense que le plus gros problème qu'il y a vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de l'éducation, c'est de reconstruire tout ça, de rebâtir tout ça, y compris depuis le préscolaire, qui doit être développé et monté. Et ne pas nous priver, quand c'est possible, de l'utilisation des langues nationales, de l'utilisation de l'oralité aussi, tant que cela permet que les capacités traditionnelles peuvent entourer. Et que déjà, au niveau de la famille, au niveau de l'espace social communautaire, on puisse retrouver, renouer avec des choses qui permettaient justement la socialisation des enfants dans une direction donnée. Donc, nous, notre système de la base jusqu'à l'enseignement supérieur, parce que nous voulons un enseignement supérieur, des universités à des standards internationaux qu'il faut bâtir. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Des milliers de juristes, des milliers d'économistes qui n'auront pas d'emploi. Donc il faut remettre ça sur le pied comme il faut. La régionalisation qui se fait aujourd'hui, nous l'avons prévue aussi, c'est bien si elle tient compte du fait qu'il ne faut pas créer d'éléphant blanc. Il faut le mettre en rapport avec l'émergence du pôle de croissance et de développement économique que nous avons. Donc l'éducation pour nous est extrêmement importante. Ça peut aider à former l'homme malien et doit être revue dans l'ensemble des programmes, des curricula. Il faut aussi que le bon comportement, l'excellence prennent pied à l'intérieur de l'école, la part des élèves, des étudiants, la part aussi des enseignants. Et nous avons dans notre programme beaucoup de propositions concernant les enseignants, leurs conditions de vie, leurs conditions d'exercice et tout le sens de leur sacerdoce. Et ce que nous voulons faire pour que, au niveau de l'école, l'enseignement supérieur, la boussole soit l'éthique, la boussole soit l'équité, la boussole soit le travail, la boussole soit l'enseignement. Et la boussole soit surtout le sens de l'effort qui manque aujourd'hui à beaucoup de. Justement, tous ces projets hein, sont dirigés vers les jeunes. Or, aujourd'hui, les jeunes maliens ont un certain nombre de revendications. Je ne sais pas si vous les suivez, si vous les avez rencontrés. En tout cas, aujourd'hui au Mali, la jeunesse malienne est en retard par rapport aux autres jeunesses à travers l'Afrique et même du monde, eu égard à l'accès à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coût de la communication au Mali est un frein à la création. Si je vous posais la question de me dire combien d'applications pour les smartphones, les téléphones portables ont été créées par des Maliens pour faciliter le quotidien,
Je vous mets au défi de m'en citer cinq. Je ne pense pas que vous pourriez, quand vous prenez un pays à côté comme le Sénégal ou un autre pays comme la Côte d'Ivoire ou en Ouganda, etc., la créativité a été encouragée par l'accès à Internet. Aujourd'hui, les jeunes Maliens se plaignent tous les jours du coût d'Internet imposé par Orange Mali. Il y a moins de 4 jours, j'étais avec Oumar Mariko, d'ailleurs, une personnalité politique avec qui vous êtes en discussion. Il se pourrait qu'il y ait une synergie qui se crée. Sans rentrer dans les détails, disait que la plupart des actionnaires maliens de Orange Mali sont des dignitaires du pouvoir, des ex-dignitaires du pouvoir, et que opposition comme majorité ne se chamaillent pas sur cette thématique-là parce que tous s'en mettent plein les poches. Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui ont des actions à Orange Mali, mais qu'est-ce que vous proposez pour l'accessibilité facile à Internet, de sorte à lâcher la créativité des jeunes Maliens qui créent eux aussi des applications, qu'ils créent des sites web, qu'ils créent de la croissance à travers le numérique? Je vous dis deux choses. Je ne suis actionnaire dans quoi que ce soit, ni d'Orange, ni dans toute autre société que ce soit, pour commencer. Deuxièmement, je ne crois pas que ce soit ça qui peut résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il faut avoir un programme. Nous avons prévu un plan concernant le développement de l'économie numérique. Et c'est dans ce plan, énormément de choses étaient prévues. Mais ne dites pas que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ont fait des applications SMS et consorts dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, etc. Et je sais qu'il y a une grande créativité au niveau de la jeunesse malienne. Je sais que beaucoup utilisent, même pour la création des pièces de théâtre. Et tout ça, c'est à encourager. Alors, pour la recherche, pour la petite histoire, peut-être que vous ne le savez pas. Avant de quitter la primature, nous avions travaillé avec toute l'équipe d'AFAN dans le cadre du développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Justement, nous avions songé à ce genre de choses-là. Parce que même pour développer quelque chose, pour faire de la recherche, il n'y a pas que les bandes passantes, il n'y a pas que les marchés. Ça, on doit le résoudre dans un problème. On doit le résoudre dans les investissements en discussion avec ceux-là. Et rappeler qu'il y a un fonds qui a été créé, alimenté par les sociétés, et qui devrait permettre, partout où les investissements n'est pas rentable, de pouvoir le faire avec cet argent-là. Il faudrait demander au gouvernement ce qu'il fait avec ce fonds aujourd'hui. Mais nous avons créé pour soutenir l'innovation On va technologique, s'il vous ouvrir plaît. juste une parenthèse, vous allez continuer. Vous dites qu'il existe un fonds. Je vais vous assurer, vous allez comprendre. Allez-y. Le fonds dont vous voulez parler, allez demander à l'autorité. Il y a un fonds qui existe là-bas. Je n'ai pas toute la dénomination exacte, qui est alimenté sur les prélèvements des opérations téléphoniques et tout, qui devrait servir à La mettre, créativité. à, non pas la créativité, à étendre la couverture du pays lorsque les investisseurs et tout ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont couvrir une zone qui n'est pas rentable. Vous le savez très bien, ils n'iront pas, le réseau n'ira pas à un endroit qui n'est pas rentable. Donc, cette fonds existe, ça permet de faire À ce. Bafoulabé, par exemple. Alors, non, à Bafoulabé, c'est rentable. Pourquoi pas Yamfouli, là? Alors, je vais dire que nous avons créé ce fonds, dit fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Ça a été créé, les lois, les décrets ont été pris. C'est le seul fonds qui est abondé de la même manière que le financement des partis politiques. C'est 0,20% des recettes fiscales. Des recettes. Et l'autre, c'est 0,25%. Pour les partis politiques, là, c'est 0,20%. Est-ce que vous vous imaginez que cela fait à peu près en moyenne entre 1,5 milliard et 1,7 milliard par an? Vous imaginez ce que peut donner le financement? Vous savez, un jeune, il fait une application, il développe quoi que ce soit, il ne peut pas continuer, il ne peut pas avoir l'argent de la banque, mais ça peut le financer. Suivant les orientations que vous donnez par le gouvernement et forcément les technologies, font partie. Donc voilà ce qu'on a fait, par exemple, pour soutenir ce développement-là. Et nous avions prévu beaucoup de choses dans ce cadre-là en termes d'investissement. Je ne crois pas qu'il faille se limiter seulement à ce que font les autres les sociétés ou pas. Et je crois savoir qu'il y a beaucoup de pression sur ces sociétés-là de la part de la jeunesse et tout. Et je crois que les gouvernements doivent être attentifs à cela. La créativité de la jeunesse est extrêmement importante. Son énergie, sa vitalité, ses innovations sont importantes pour notre économie et pour notre vie en société. Et donc ça, vous pouvez être sûr et certain que tout ce que nous pouvons faire dans notre position actuelle, pour ça, nous le ferons. Mais nous avons un programme solide sur ça. Parce que je le disais tout à l'heure, j'étais frappé quand je suis allé à l'intérieur du pays.
Vous savez qu'il y a des jeunes gens qui n'avaient même pas l'eau là-bas, mais qui avaient des vieux téléphones qu'ils tripotaient. Mais j'ai demandé à un des gars, mais montre-moi ce que tu es en train de faire. Mais il m'a montré, il avait fait les photos, il est rangé dans les dossiers. Mais ils disent que, vraiment, est-ce qu'on peut les aider pour avoir un réseau? Parce qu'il faut qu'ils aillent loin, qu'ils montent sur des arbres, qu'ils aillent sur des collines pour avoir le réseau. Ils n'avaient pas d'eau, mais ils se souciaient plus du réseau. C'est dire que la jeunesse aujourd'hui a besoin de ça. À titre d'exemple, hein, pour appuyer ce que vous dites, lors de la marche organisée, je crois que c'est le 30 avril par l'opposition. Le 21. Le 21, voilà, par l'opposition. Nous, on a un correspondant à Bamako qui fait une vidéo de 5 minutes sur la marche. Il est obligé de mettre 72 heures pour nous faire parvenir la vidéo ici à Paris. Donc, vous vous imaginez, si on avait le même correspondant ou on avait un concurrent qui a un correspondant au Sénégal, il aurait eu la vidéo le même jour. Et donc, c'est un problème vraiment crucial que les partis politiques de l'opposition devraient s'en occuper, mettre pression sur l'État, sur les actionnaires d'Orange Mali. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'il y en a qui, par exemple, peut-être pas le dossier, mais le dossier lourd, et peut-être des snapshots et consorts pour les faire partir immédiatement. En fait, quoi qu'il arrive aujourd'hui, à Abidjan, on vous envoie une vidéo en une heure de temps. On demande la même chose pour Bamako. Je ne dis pas qu'on a le même niveau. Et il faut aller vite dans ce cadre-là. Je veux dire que là, en allant dans le même sens que vous, qu'il y a une véritable quête. La jeunesse a faim de ça. Il y a un appétit. Et je crois qu'il faut le soutenir, il faut aider à développer. Donc nous sommes tout à fait d'accord sur ça. D'ailleurs, le président Ibrahim Bourka Keïta a promis de créer 200 000 emplois si il donnait l'accessibilité facile à la jeunesse, à la connexion. La jeunesse s'occuperait elle-même à créer des emplois. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces jeunes qui chantent, qui n'ont pas besoin de la télévision, ils deviennent des stars dans leur pays. Sans la télévision, ils sont plus suivis que les hommes politiques sur les réseaux sociaux. Ils ont un réel pouvoir. Et ces jeunes-là, rien qu'à travers eux, un Sidiki Diabaté, ils pourraient créer une centaine d'emplois. Tout simplement si le coût d'accessibilité n'était pas un frein. Et donc, ce qui nous permet de parler de justice. Si je me rappelle bien, vous avez été enlevé deux ou trois fois par le général Sanogo. Bon, il n'était pas général, il était capitaine. Ça ne l'a pas empêché de vous enlever quand même, de vous amener faire une petite visite à Kati. Aujourd'hui, il est arrêté, il est à Manantali ou Silingué, je ne sais plus. Est-ce que vous avez porté plainte pour ces enlèvements illicites? Non, je n'ai pas porté plainte. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? À qui devrais-je porter la plainte quand j'ai entendu de hautes autorités à cette époque-là dire que c'est bien et qu'il faudrait que ceux qui ont des comptes rendent des comptes? Je n'ai pas porté de plainte dans ce cas-là. Il y a une justice dans votre pays, monsieur le Premier ministre. Non, je n'ai pas fait porter plainte sur quoi? Pourquoi? J'étais là-bas la deuxième fois. On ne m'a rien dit, je suis revenu. La troisième fois, on me dit oui, on va prendre les éléments d'identité. C'est pour ouvrir, comment ça s'appelle, une procédure. Je dis d'accord. On était tous là-bas, on était un certain nombre. On a écouté les uns et les autres, on a pris les enseignements. Je me suis, mon tour, je suis venu à dire, non, on me dit, c'est pas votre tour, vous, c'est une audition. J'ai dit, une audition, je ne parlerai pas en dehors de mon avocat. C'est aussi ce qui est mon droit. Depuis lors, je n'ai eu absolument aucune indication ce qu'il y avait. On vous a privé de votre droit, monsieur le Premier ministre. Sauf à deux tentatives après. Donc moi, je considère que mon problème n'était pas important. J'étais plus souci de notre peuple. Plus souci de ce qui se passait dans le Nord, plus souci de l'occupation du Nord. Et c'était pour moi comme si je ramenais toute cette histoire à ma personne, apportant des petites plaintes par là, alors que tout notre effort doit être concerné sur ça. D'ailleurs, ma troisième arrestation, c'est parce que j'ai fait une tribune, Mali 1 et indivisible, que j'ai fait le jour même que le MLN a prononcé la malencontreuse indépendance de la Sawade. Je l'ai fait et j'ai dit ce que je pensais de tout cela, que toutes nos petitesses, toutes nos mesquineries, toutes nos petites difficultés n'étaient rien à ce qui était en train d'arriver au Mali, à notre peuple. Et que c'est ça qui devrait nous mobiliser tous, plutôt qu'autre chose. Et que les petites querelles, je n'entre pas là-dedans. Je crois que j'ai subi comme d'autres ont subi. Mais en tant qu'homme politique, ma préoccupation, c'était le Mali. Ce n'était pas la peine d'avoir des petites plaintes de ma bataille pour le Mali. D'où cette tribune-là et d'autres actions qui n'est pas la peine de rappeler ici. Le niveau de vie des Maliens aujourd'hui, est-ce qu'il est proportionnel à celui de ceux qui dirigent le pays? Parce qu'on a quand même vu un président qui s'achetait un avion qu'il n'avait pas avant, dont un fils est devenu président d'une commission de l'Assemblée nationale qu'il n'était pas avant, dont le beau-père de ce fils est devenu président de l'Assemblée nationale qu'il n'était pas avant. Et donc on suppose que le niveau de vie quand même de ceux qui ont la direction du pays aujourd'hui a augmenté. Est-ce que celle de la population a augmenté de façon proportionnelle? Est-ce qu'il faut vraiment
cette question grave de gouvernance, faut-il ramener un simple changement du niveau de vie des uns et des autres? Une gouvernance, ça sert à changer le niveau de vie de la population vers du positif. Vous dites des choses graves qui ont été dénoncées, que nous-mêmes nous avons dit qu'il y avait des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Moi, je sais, j'ai rappelé aujourd'hui ce que j'ai dit à la clôture de ma campagne, le lancement de ma campagne à Kaï. Et je l'ai répété à notre congrès. L'État ne peut plus être dirigé comme il a été. C'est tant qu'il a été juridé de cette manière. Il ne peut pas être l'affaire d'un seul homme, il ne peut pas être l'affaire d'un clan, encore moins d'un groupe. Ça, c'est un espoir que vous nourrissez. Non, ce n'est pas un espoir, c'est un principe. Dans les faits. Non, c'est un principe que j'indique. Et c'est ce principe-là qui nous permet d'être la grille de lecture de ce que vous vous appelez mobilité ou irruption de niveau de vie qui change et qu'on sort. Moi, ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui remet fondamentalement en cause notre relation à la République, à nos institutions et à la façon dont il doit fonctionner. Nos solidarités, elles sont importantes. Nos amitiés, elles sont importantes. Nos familles, elles sont importantes. On en a besoin. Mais on ne doit pas le mêler. On ne doit pas le laisser se mêler aux affaires de l'État. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Quelle analyse vous en faites? Vous voulez une honnête analyse? Bien sûr. Ça, il n'y en a pas d'autre. Quand je dis qu'on ne doit pas le mêler, ça veut dire quoi? À votre avis. Très bien. Si vous voulez dire que ça veut dire que je ne suis pas, d'accord avec. On va parler de santé. Où est-ce que vous allez vous soigner quand ça ne va pas? Oh. Il n'y a pas de piège, hein. C'est juste. C'est pas une question de piège ou pas piège. Je ne sais pas si. Écoutez, j'ai été ministre de la Santé pendant des années. Il m'arrive de me soigner dehors, il m'arrive de faire que les gens en moi se soignent dehors, mais il m'arrive aussi de me soigner au Mali. Mon plus grand dentiste, il est au Mali. Très bien. Justement, pour parler de la santé, aujourd'hui, on a des échos. Nous vivons à Paris, mais nous avons un œil sur Bamako. Les gens meurent à l'hôpital Gabriel Touré, au point G, un peu partout dans les cliniques. En fait, c'est un endroit où on va pour mourir. C'est pas un endroit où on est mal reçu quand on n'a pas d'argent. Et au-delà de ça, les responsables politiques ne donnent pas les bons signaux. La dernière fois, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta était malade, il est venu se soigner ici. Ces comportements-là, nous les trouvons normaux parce que nous avons toujours vu ça. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les hôpitaux maliens dans certaines normes pour que vous puissiez vous soigner là-bas et de... Puisque si vous arrivez à vous soigner dans les hôpitaux maliens, ça veut dire que ça fonctionne bien. Et ensuite, par ricochet, la population en profiterait. Qu'est-ce qui manque pour faire des hôpitaux maliens, des endroits où des personnalités telles que le président, le premier ministre pourraient se soigner? Qu'est-ce qui manque? Encore une fois, hein, moi je ne poserai pas la question comme ça. Mais ici, c'est moi qui fais les questions. Ah oui, hein, vous faites les réponses. Vous faites les questions. Vous faites les réponses. Je peux choisir ma manière de vous répondre. Je dis, je ne poserai pas comme ça. Parce que la question pour moi, ce n'est pas d'avoir des hôpitaux où des sommités maliennes pourraient aller se soigner. Le principe de base pour moi, c'est l'accès de tous à des soins de qualité, où qu'ils se trouvent. Ah, cela va de soi. Et qu'ils se trouvent, non, c'est ça notre bataille. Parce que ne visez pas le plus haut, visez ceux qui en ont besoin. Parce que quelqu'un peut avoir ici même le choix d'un plateau technique, mais décider d'aller le faire ailleurs. S'il a la possibilité d'aller le faire ailleurs. S'il y avait les plateaux adéquats au Mali et que mes moyens me permettent d'aller me faire soigner ailleurs, il n'y aura aucun problème. On a des clichés sur notre système de santé qui n'est pas suffisant, j'en conviens. Les hôpitaux, malgré tous les progrès, ne sont pas encore à se délivrer une prestation médicale dans tous les compartiments comme il le faudrait. Mais ce système qu'on condamne a apporté beaucoup. Les centres de santé communautaires, les centres de santé de référence de cercle qui permettent aujourd'hui dans beaucoup de chefs-lieux de cercle de pouvoir faire des opérations qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans, 20 ans à ce niveau-là. Les hôpitaux régionaux qui ont fortement progressé aussi. Les hôpitaux nationaux qui depuis 1998 par là, dont Poingier consort avait déjà scanner et consort, et une unité de dialyse. Quels sont les Maliens qui pouvaient se permettre de se payer un billet d'avion pour aller à Abidjan, venir à Paris pour aller faire un scanner? Et ce scanner a été installé, il a été subventionné. Et pratiquement une grande partie des Maliens peuvent y accéder. La dialyse, ça a été la même chose, ça a été installé, ça a été subventionné. Et donc beaucoup de fois, aujourd'hui,
Un IRM est en fonctionnement. Sur une échelle de 10, monsieur le Premier ministre, à quelle hauteur vous fixez votre satisfaction des services rendus par les hôpitaux maliens? Non, moi je dis, ces services-là sont en progression. Il y a des agences d'évaluation des hôpitaux. Aujourd'hui, l'urgence, il faut le traiter. Il faut trouver une solution. Ce n'est pas le cas. Aux urgences. C'est-à-dire que les on malades fait, qui viennent, on vous fouille les poches s'il n'y a pas traités, d'argent. Qui ne sont pas imaginés, qui ne sont... Il faut trouver une solution. Il y a des solutions, il y a des indications. Sur une échelle de 10, monsieur le Premier ministre, à combien vous évaluez votre taux de satisfaction des services rendus par les hôpitaux maliens? Non. Vous m'amenez à une évaluation qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas noter. Je ne peux pas noter pourquoi? Parce que j'ai vu des cas. Vous savez que vous serez noté après cette interview par nos non, ils n'ont qu'à nous noter. Par nos spectateurs. Ça, ce n'est pas un problème, les spectateurs, ils peuvent noter. Ils ont le droit de noter. Moi, simplement, je ne peux pas m'embarquer dans une notation qui, pour moi, n'a pas de sens. La question est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des services dans les hôpitaux qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Et il y a des cas où on a la possibilité d'intervenir, on n'intervient pas. C'est le cas, par exemple, des hôpitaux, des urgences et consorts, où je vous l'ai dit, il faut trouver une solution. L'assurance maladie obligatoire, qu'on a décriée, a apporté beaucoup. Mais l'autre, qui concerne le plus grand nombre, on doit le mettre davantage en œuvre et trouver les financements nécessaires pour le faire. Parce que ce financement soutient ce qui se passe à l'hôpital et permet à un plus grand nombre de Maliens d'accéder. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire, y compris la médicalisation des CESCOM. Donc moi, je passe programme et de dire qu'il faut aller vite. L'éthique, le bon comportement doivent trouver leur place au niveau de nos hôpitaux. Ça, je suis d'accord avec vous, ça demande à être amélioré. Notre plateau technique peut être amélioré. Nous avons de grands professeurs ici, de très grands professeurs, des grands chirurgiens, des grands chercheurs, qui peuvent faire le travail et qui font le travail parfois dans des conditions difficiles avec des résultats positifs. C'est pourquoi je ne peux pas entrer dans un système de notation fermée de 1 à 10. Ça, je ne le ferai pas. Est-ce que vous êtes en sécurité à Bamako quand vous sortez, vous allez à votre cabinet, etc.? Est-ce que vous n'avez pas des fois peur? Vous êtes... Non. En même temps, vous avez été Premier ministre, vous avez de la sécurité? Je n'ai pas de la sécurité. Je me déplace seul, beaucoup plus souvent. Vous ne pensez. Mais comment vous analysez l'insécurité galopante dont les Maliens se plaignent aujourd'hui? Elle est bien là, elle est bien réelle. Il faut lutter contre. Il faut lutter contre en revoyant complètement notre système de sécurité qui est à refonder, notre système d'information qui est à refonder, et la meilleure façon d'amener l'ensemble des populations dans un maillage qui va depuis le niveau national jusqu'au niveau le plus local, le plus reculé. On parle des autorités traditionnelles, de la meilleure façon de les intégrer. Je crois qu'il faut parler avec les autorités traditionnelles. Elles sont les autorités qui sont au plus près des populations au niveau rural. Et je pense qu'elles peuvent jouer un rôle dans un très bon maillage. Donc aujourd'hui, puisque l'insécurité elle est diverse, elle est faite à la fois due au terrorisme, aux conséquences du narcotrafic, au banditisme, au vol, etc. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites dans ce cadre-là. Et ici à Bamako, il y a des gens qui se sont organisés et dans beaucoup de quartiers, il y a beaucoup moins de vols aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans d'autres endroits, ce n'est pas le cas dans d'autres périphéries. Et je pense que la police a fait des progrès, mais elle est suffisamment équipée, suffisamment étoffée pour aller plus loin dans ça. Et il faut le faire. Vous avez dit cet après-midi dans votre meeting que si le Mali bascule, la sous-région coule. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est la question d'un internaute. Écoutez, je n'ai pas dit que si le Mali bascule, mais l'effet est là. J'ai dit que le Mali est un verrou en Afrique de l'Ouest. Regardez la position géographique du Mali, c'est un verrou. Nous avons cette frontière en Afrique de l'Ouest. Et c'est cette frontière, nous sommes également une espèce de hub entre le sud, l'ouest, le sud de l'Afrique de l'Ouest, solidement implanté. Et donc si par conséquent, nous avons une bonne partie du Sahel aussi dans notre territoire, si par conséquent le Mali vacillait, j'ai dit, il y avait des gros risques pour l'Afrique de l'Ouest. Donc un Mali stable, c'est une Afrique de l'Ouest stable. Et là, j'ai quelques questions d'un autre internaute, hein, Abdoulaye Bar, qui parle essentiellement d'exploitation minière dans la zone de Kenyeba, sec de Kenyeba. Sa première question, c'est que pensez-vous de la future exploitation d'uranium à Faléa dans le cercle de Kenyeba? J'apprécie qu'il parle de la future exploitation d'uranium dans le cercle de Faléa. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploitation d'uranium. Vous vous souvenez qu'on m'a accusé à un moment donné d'avoir donné des permis d'exploitation ou de je ne sais plus quoi à Kenyeba et ailleurs. Et que donc ça a amené beaucoup de dégradations. Sa question montre qu'il n'y a pas d'exploitation. Moi, je considère que
toutes les exploitations qu'on peut faire, minières, de quelque nature que ce soit, doivent être respectueuses de l'assentiment des populations, doivent être respectueuses de l'environnement, doivent être respectueuses de l'après-mine. Et je pense que dans certains cas de mine d'or, on a vu qu'il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits pour l'après-mine. Donc, par conséquent, l'uranium, on ne peut pas l'exploiter comme ça. Il n'y a pas que Faléa, il y a d'autres espaces du territoire qui comportent de l'uranium. On ne peut pas le faire sans avoir la précaution de se préoccuper. Il nous reste 8 minutes, donc on va accélérer sur les réponses de ces questions. Donc, sa deuxième question, c'est l'État malien doit-il dépasser les 20% de parts dans les multinationales qui exploitent les ressources minières au Mali? Pour l'instant, l'État, je pense que l'État malien ne devrait pas peut-être pas dépasser les 20%, mais que l'État malien doit s'organiser pour mieux contrôler l'activité. Parce que nous avions pensé un moment, en tout cas quand je partais, c'était un projet de créer des cabinets et des agences qui étaient capables de permettre à l'État de mieux contrôler ses portefeuilles et de mieux contrôler, disons, la production d'or. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assises sur la production d'or, même si tu as 20%, et que de l'autre côté, la production ne permet pas de recouvrer ce que devrait être droit par rapport à ces 20%, par rapport aux taxes et plus-value qui devrait revenir à l'État, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord consolider la capacité du Mali à contrôler ses portefeuilles et à contrôler la production. Sa dernière question, quel mécanisme le phare compte-t-il mettre en place pour rendre public les résultats des études d'impact environnemental et social des mines sur les populations riveraines? Mais en principe, il y a toujours une étude d'impact environnemental et social avant l'autorisation d'une mine. Et comme elle est faite à base de consultation des populations, elle est appelée à être publique. Nous jouerons la transparence. Avant de clore l'émission, on a un jeu. La dernière personne à s'être prêtée à ce jeu, c'est votre peut-être futur ami Omar Marico. Il s'agit d'attribuer un carton rouge ou un carton jaune. Il n'y a pas de carton intermédiaire. À une liste de personnalités politiques que je vais vous donner. Donc, on va commencer par le président de la République. Je ne me prêterai pas à ce jeu. Est-ce que vous donnez un carton rouge ou un carton jaune au président de la République? Je ne me prêterai pas à ce jeu. Parce que je ne connais pas la liste et je ne suis pas là pour distribuer des cartes ou des sanctions. La liste, ce sont vos amis de la sphère politique? Non. Je ne me prêterai pas à ce jeu-là. Très bien. La dernière question, est-ce que vous êtes satisfait de votre visite à Paris? Je le suis. J'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. L'occasion d'expliquer les positions des phares sur un certain nombre de questions majeures du pays, de suggérer quelles sont nos solutions à ces différents problèmes-là, évidemment d'écouter les Maliennes et les Maliens partout où ils sont, de discuter avec eux. Vous savez que depuis quelques mois, je parcours le pays, mais également beaucoup de rues de Bamako pour aller m'asseoir simplement dans les grains, discuter, parler avec les jeunes et les gens qui sont affiliés à ces grains-là pour être au plus près et savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Donc, par conséquent, là-bas, comme ici, hier soir, j'étais à un grain ici, par exemple, pour parler avec des gens, des Maliennes, de façon libre, naturelle et spontanée. Je crois que c'est quelque chose de fantastique. Donc, je crois que la mission des phares ici, qui était de donner une plus grande visibilité aux phares, ici en France, à son programme, à ses prises de position, à ses visions et à sa compréhension des problèmes de notre pays et à ses solutions, je pense que je peux dire que l'objectif que nous avions établi a été atteint. Une dernière question, vous êtes déjà allé à Bla? Bien sûr. Combien de fois? Oh là là, je ne connais même pas le nombre de fois. D'accord, en tout cas, les populations de Bla vous passent le bonjour, je suis originaire de là-bas et de temps en temps, j'en parle. Merci à la population de Bla, que j'ai toujours plaisir à retrouver, comme toutes les autres populations du Mali sur le territoire. Je me sens bien chez moi partout. Très bien. En tout cas, merci Monsieur le Premier ministre Modibo Sidibé d'être venu sur le plateau de l'invité politique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici chaque fois que vous venez à Paris pour venir parler du Mali, de votre parti, de la gouvernance au Mali. Merci d'être venu. Merci aux spectateurs. Merci aux techniciens Antoine du Labo 6 à la mairie de Paris, Boukaniaré qui est aussi à la technique à côté de Antoine, Toto Diarra qui est au live tweet. À tous nos spectateurs, je vous dis à la prochaine.